Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec l'équipe Bombard Media now là depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Premier ministre Joseph Jout visite espace qui parle l'hôpital la police nationale d'Haïti. Visite ça a fait pour vous regarder qui niveau préparatif yo avancé pour permettre l'hôpital à fonctionner normalement. Et puis l'autre information nous gagne pour vous, Premier ministre Joseph Jout administre travaux publics là. N'a déjà visité zone peignée pour checker travail réhabilitation sur route peignée pour empêcher inondation dans zone ça. Et puis travail ça pour permettre habitants dans zone ça, c'est qu'il est plus bien. C'est information ça nous gagne pour si c'est première fois visiter nous information nous partager ou intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. C'est information ça nous porter pour en suivre. L'hôpital là n'a pas fonctionné à partir entre lundi et mardi, c'est nettoyage qui a fait là. Et puis, avec le ministre des Travaux publics là, qui a gagné quelques petits travaux d'aménagement et que l'IPRAL a pour le faire. Et puis, pour nous rendre l'hôpital là fonctionnel pour la police nationale. Tout service est déjà mis en place dans l'hôpital là? Pratiquement oui. Pratiquement oui. Tout matériel est dedans, probablement je vais montrer tout à l'heure. Et il est là depuis quelques temps. Et puis, il y a un appui si on a ouvert l'hôpital là, effectivement. Non, non seulement à part de contrat que l'État gagne avec l'hôpital Bernard Meuse, qui pour bailler policiers ou l'autre soin que quand ils nécessité, les font accident de travail et puis l'autre bagaille, mais là tout, la procédure et policiers et familles et l'hôpital Bernard Meuse pour qu'ils signent un contrat avec lui et n'a pas renouvelé parce que le contrat pratiquement est là déjà. Nous avons renouvelé parce que nous avons besoin que l'IRT fait des connexions avec l'autre prestataire qui est à travers tout le pays, parce que nous connaissons la police nationale là, sur tout le pays. Quel que soit un point sur le territoire public là, que la police a un problème, du moins le policier a un problème pour joindre les soins que Cal nécessite. PM, policiers divers alors, section 9 fantômes, groupe ça continue pour la rue. Est-ce que en tant que président, est-ce que vous vous préoccupez par rapport avec la façon, la violence qu'il y a? Je ne me préoccupe seulement par la présence 509 dans la rue. Je me préoccupe tout par la présence de toute gang qui gagne dans le pays. Je me préoccupe par tout et je prends les mesures que la loi mettait dans mes mains pour nous prendre contre quel que soit le monde qui utilise des armes, qui utilise des explosifs pour non seulement brûler les machines, casser les barrières, brûler les caïmoun. Je peux utiliser les moyens que la loi mettait à notre disposition pour nous faire. Est-ce que ça voulait dire que c'est un fantôme ou qualifié de gang? Il n'est pas moi qualifié de gang. Il montre la société à s'allier déjà. Moi, je n'ai pas de qualificatif, je n'ai personne. Mais il montre ça le fait déjà. Il vole un cocktail Molotov, il voulait à peu près une vingtaine de machines déjà. Il crase plusieurs bureaux publics déjà. Et c'est avec ZAM et cagoulé, il fait. Ça veut dire que l'homme a gagné un mode de comportement. Ça et écoutez, c'est des comportements qui sont répréhensifs et que la loi ne peut pas tolérer dans aucun pays. Avant ça, et m'a tout dit nous ça, il faut que nous fassions distinguo entre SPNH avec 509 fantômes. Moi, tout le monde a intention de mélanger deux institutions. SPNH, c'est une institution, son syndicat qui est à l'intérieur de la police nationale, là, qui est reconnu par la loi. Parce que moi-même, moi, c'est un homme qui a aidé SPNH à monter. Avait dit son institution qu'il a, en dedans police, qui a réclamé meilleures conditions de travail, meilleurs salaires, avantages sociaux, ça que quel que soit le monde qui a travaillé dans l'institution, soit l'État, ou bien bah, qu'on est n'importe côté, capable de toujours réclamer, regrouper à l'intérieur d'un syndicat pour réclamer tout ça, il y a de dans le cadre de travail. Face avec violence au PM, qui s'en est fait au niveau 16 pour nous prendre ça? J'aime dire là, n'a pas utilisé les moyens que la loi baille pour ça. Et n'a pas contrecarré quel que soit le monde qui a utilisé des armes illégales en plus qui pour empêcher que la population vive correctement. Alors, que hier soir, vous voyez une image ben moi, des policiers qui n'ont commissariat. Pas policiers, pardon, des prisonniers. Et pendant la machine, je suis venu dans l'hôpital là. Le président a revoyé même image là-bas. Ben alors, je vais attirer l'attention de tout le monde. Et ceci, je vais commencer depuis le ministre de justice qui est avec lui matin. Il faut qu'il dégage pour désengorger la prison. Ça, c'est yon. Deuxièmement,
moi t'es tiré par une image d'un policier, une photo que moi. Non seulement les nus, mais on a regardé toutes les côtes, monsieur. C'est-à-dire, on a regardé un monde qui est mince, mais il n'est pas maigre. Mais lui-même, il est maigre, son monde qui est dans mauvaise condition. Ça, c'est un. Mais on a attiré l'attention, quelle que soit l'institution, qui a touché dans l'État, pour bail manger dans la prison, pour bail les policiers manger. Parce que sinon, on va commencer par demander, ça va faire quoi que l'État paye. Parce que plein d'institutions qui touchent dans le pays, qui pour bail manger dans la prison. Yo. Et maintenant, des mini-justices à tout, maintenant, des directeurs généraux de la police, là, et tout comme je parlais de ça avec lui déjà matin, hein, mais son bagage est prend au sérieux la vie que les prisonniers ont menée en dans la prison. Je profite de tout remercier toute institution qui a lutté pour faire respecter les droits de l'homme dans le pays. Tant qu'on doit prisonnier tout, parce que c'est moun yo. Nous avons eu plusieurs réunions avec eux déjà. M'a demandé de continuer à accompagner pour voir si na le relevé de défi ça. Parce que prison dans le pays d'Haïti, c'est un coup son côté heureux pour aller mourir. Alors que c'est maintenant, c'est pour une punition, on n'a pas fait pour faire mon passer mise en dans prison. Parce que prison, elle fait pour quel que soit moun. Quel que soit le grand mouché déjà qui passe dans prison ici. Que ce soit ici dans le pays d'Haïti ou bien dans le pays étranger. Avait dit faut que nous humaniser prison yo, et m'a demandé ministère affaires sociales tout m'braler le ministre tout à l'heure pour ministère affaires sociales comprendre rôle li dans pays. C'est le visage humain du gouvernement. Faut le fouer bouchina faire prison en tout à regarder la vie que prisonnier a mené. Faut que moun suspende dénoncer dans pays, faut que moun mette main nous dans la patte pour empêcher que chrétien vivant a passé misère comme ça. Merci. J'en regarde bien, on a produit des matériels qu'il a déjà pour impacter qui neuf. C'est pour la police nationale, c'est pour l'hôpital police nationale. Bon, ça, je viens de voir, c'est de l'incubateur. Si maman couché, petite capable de coucher en dernier. On a lu mes projecteurs dans ce routeur. On a commencé avec le système drainage. Dans l'eau qui était faite, mais quoi, comme dans l'eau, ça a nommé GS Group. Et il a fait au final même, il décide de la quantité de matériaux qui nous amène toujours. Donc moi-même, je dis que je peux travailler en régie. Parce que tant que nous avons des bonnes là, nous ne pouvons pas tout travailler en contrat. Là, nous connaissons pour faire contrat ici. Contrat seulement entre dossier d'appel de pour étudier le CNMC, ça presque prend 6 mois. Donc, je dis, maintenant de commencer, donc nous avons aimé le directeur là, il est en route là, ça peut escalader, ça va être campé. Nous avons dit, commencez dans la loi rapide, son sol, je vous fais béton de propriété, quand on fait béton de propriété, il fait aller et le couler béton radio. Depuis le couler béton radio, monsieur, pas de problème encore, car on facile à faire, puisque même si la pluie a tombé, on est capable. Faire l'habilité ou de l'eau, faire le drainage là,
tout le monde qui a des codes blancs, il a promis des codes blancs. Quels sont les noms? Quel est le monde de travaux publics? Quel est le monde qui a des films? Quel est le monde qui a des codes blancs? Il a promis des codes blancs. Ça a période. Et c'est ça que je suis venu là avant pour vous dire, je suis beaucoup plus. Quels sont les noms? Remettre comme là pour nous continuer le travail là. Comme nous, en deux budgets, PM a demandé, avec le président, a demandé au ministre financier pour mettre un corps pour venir. Bon, 40 millions de gouttes qui mettent là, on a commencé le travail bien à la veille. Et encore, on a rendu le cas au sable pour nous être capables de circuler normalement et puis pour travailler en fait. Président, dis-moi hier soir que c'est inacceptable que nous continuions à traiter mon dernier. J'en ai traité là. Il était très fâché hier. Et moi, je là, je souhaitais que nous débrouillions pour mettre Jean-Jacques, pour nous rendre route la carreau sable. Je ne peux pas dire que nous avons besoin de mettre l'asphalte, nous avons besoin de mettre sous lui. Mais il faut dégager, nous déblayer la route là, ben nous mieux, plus bon service, parce que je vais retourner passer là demain. Tout le monde route là, je ne peux pas le dire. Au fur et à mesure que nous travaillons pour nous faire des nageurs, pour faire d'allou, pour faire ceci, faire cela, faire ouvrir d'ailleurs, mettre une machine sur la route là pour améliorer la route là au fur et à mesure que nous-mêmes nous continuons à travailler. La population n'a pas continué à fonctionner. Et avec le président, demandé au ministre financier pour mettre un corps pour venir. Bon, 40 millions de gouttes qui mettent là, on a commencé à travailler bien à la veille. Et encore, on a rendu route dans le cas au sable pour nous être capables de circuler normalement et puis vous travaillez en fait. Moi, je dis, qui est monsieur Vini? Oui, qui est venu non? Monsieur le directeur, c'est lui-même qui est directeur départemental de l'Ouest. Le directeur vient non. Vous dites, je bon, l'ordre pour vous d'aller commencer, c'est PM, non? Pour vous d'aller commencer, je dis, je viens là, grande surprise, pour moi, sérieux pas fait, c'est parti. Bon, nous avons commencé le travail la semaine dernière, mais il se trouve que l'excavatrice nous a bah, un petit problème, et puis c'est réparé, la réparé, pour nous poursuivre le travail. C'est pour le escavatrice que nous avons qui fait que vous pas arriver là, ouais, que nous en pleine action. Parmi eux, nous te dis, jour de blé, si béton propriété en fait, c'est ferrage là rapidement pour faire béton, pour couler béton radiant. Ça, nous besoin de béton prêt à l'emploi pour ne pas arrêter trop. Si on vient à petit béton mal accès, là prend trop de temps. Depuis un seul jour, pour venir depuis 5 heures, on commence à mobiliser, ferrage en fin de fête. Côté ferrage la fin de fête là, ou pas qu'à quitter la terre, sous quitter la terre, la pluie vini, la gâteau. C'est même jour pour ferrage fait, béton radio fait, et puis qu'on y a traité à part en pas de problème pour résoudre. Non, j'en dis là, toute mise en place a été faite, toute pièce nous préparée, béton commandé. Il suffit que nous déblayer là, nous joignons le béton propriétaire qui est déjà fait, et pour nous avancer à travers là. Mais combien de temps vous prenez? 2 jours suffit pour déblayer en restaurant? Oui, 2 jours suffit, mais cependant. Mais l'escavatrice là, il y a un problème. Il y a 2 filtres, il y a un là-dedans qui lâché, et puis pièce à organiser, c'est besoin, c'est le côté de nous qui a joué. Et puis chéri, et chef gars, chef gars, j'avais occupé de ça. Vous êtes un filtre, travail là-bas, vous commencez? Bon, c'est pas pour être filtre, mais vous connaissez l'équipement ça. Donc son seul côté qui joue une pièce là pas disponible, et puis chéri, chef garage là, a fait suivi à ça. Pour un filtre dans l'autre machine pour le travail. Bon, ça son solution envisagée. Travailleurs sans régie pour y aller. Sans régie pour y aller, et moi-même, ma retourne passer là demain. Toute longueur route là, je ne vais pas voir les gens. Ça veut dire que c'est 2 heures à mettre, que c'est pas pour l'odeur. Je ne sais pas quoi sont les excavatistes qui sont dans le pays. Non. Les excavatistes ne sont pas pompés pour filtrer. Si le président est là, il a dit filtrer, il n'y a pas sur Mars ni sur Saturne qui a venu. Parce qu'il a toujours aimé dire ça. Ça veut dire qu'il faut nous suspendre et jouer des vieux prétextes comme ça. Pour 7 filtres pour l'excavatiste campé. Non, en tout cas, moi-même, tout dit nous ça. Demain, là, je vais passer sur la route là. Demain. Pour faire un petit bout de temps, même sable, nous avons un cabrit dans l'idée pour permettre nous d'exploiter le sable dans la zone, nous avons mis en règle avec les structures qui sont placées pour ça. À partir de vendredi 12 juin, aucun monde ne peut exploiter le sable sans autorisation ou soit permis d'État. Le déplacement, nous l'avons dit, il est rentré dans le cadre de restaurer l'autorité de l'État. Nous campons l'exploitation MINSA. Nous avons campé toute l'option en attendant que tout le monde rentre dans l'or. À partir de côté, nous parler là, c'est fini. Pas de mine qui a exploité jusqu'à ce que nous régularisions la situation.
Façon moun yo exploiter sab nan bon kabrit, c'est un gros danger pour environnement et même pour route là. D'après ministre environnement Abner Septembre ak ministre PTC Nader Joasis, pendant yo quoi, faut gen gros mezi ki pran nan façon y a exploiter sab yo qui d'après yo capable empêcher moun victime. Yo pas dit peinture de non. Yo dit camper provisoirement pour développer un mécanisme ensemble à l'état comment exploiter mine ça. Exploitation anarchique là pas bon. Et nous allons même aller dans un côté du nom qui vient un pylône électrique. Qui a exploité un bon matin, quand on presque en fait noir, après un pile bagage. Ça nous cap fait là, Jean ministre des Travaux publics là sous Dili. Eh bien, les besoins faits selon les normes, selon la loi. Donc nous demandons pour que nous campions. En attendant que nous chita avec un exploitant yo pour garder les meilleures conditions avec eux pour exploitation yo capable faite. Directeur général Bureau de l'énergie a demandé tout le monde qui a exploité ça pour passer dans le bureau avec météo en règle. Il y a une loi qui existait qui dit les conditions pour nous exploiter les ressources minérales, les richesses que nous pouvons payer. Nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Il faut que nous restaurions l'autorité de l'État. Il faut que nous appliquions. Et nous avons dit que pour exploiter nos carrières, il faut un permis d'exploitation. Maintenant, c'est permis d'exploitation qui a autorisé le faire. Il y a une loi de finances qui dit que il y a des redevances pour payer. Nous faut payer autant. Il faut que nous réhabilitons l'environnement. Donc, nous commençons aujourd'hui. Nous allons inviter tout exploitant à venir pour un permis dans le domaine. Nous allons analyser. Il y a des carrières qui ont fermé. Il y a des carrières qui ont autorisé. Et ça qui ferme, il a fermé définitivement. Secrétaire d'État, sécurité publique, la Tacit Toussaint, dit déjà parlé pour faire respecter décision autorité. Plusieurs agents environnementaux ont déployé dans tout espace mon cabrit dans sens ça. Et si nous gardons nous, ça, nous pouvons mourir. Nous pouvons jouer là, parce que sans nous, ça, si pas de football, pas de base avec nous, nous pouvons. Donc on a pris des dispositions sévères contre tout le monde qui peut essayer et continuer avec l'exploration minzao. Directeur général EDH là, Hervé Pierre Louis Badboa, vous pour mesi qui va permettre de protéger les pylônes électriques dans la zone là. Infrastructure EDH est là, il y a des pylônes qui là, qui transportaient 115 000 vols. Et nous avons demandé pour autour des pylônes, nos corridors pour quitter, pour pas aucune activité qui là dans. On 20 mètres chaque bord pour respecter. Et nous croyons que ça que nous avons fait là, c'est un pas dans la bonne direction pour mettre l'ordre dans le pays, pour que l'infrastructure des HO soit protégée. Décision ça n'a pas gagné pour seulement avec mon cabrit. C'est tout côté qui gagne même ça dans le pays, mais si ça concerne, d'après l'autorité. Je vais prendre certainement moi au haut, je ne vais pas le faire. Et quel est le monde qui a exploité le mineur? Paul Gon licence. Quand on vient faire visite ça, on vient dire à partir de jeudi, exploitation anarchique maintenant stoppée. Le ministre de l'Environnement, ministre de Septembre, comme ministre de l'Environnement, moi-même comme ministre des Travaux publics, et déjà qui a représenté dans le cadre de ça. Ministère des Mines, c'est au même cap géré, ministère de la République, ministère de l'Environnement. Donc, non, dit non, après je dis, il faut camper pour nous, pour une bonne licence d'exploitation. C'est dans le cas de ça, nous venons là. Et nous faisons accompagner par le PM, là, qui va le bail Moli. Et nous dit, et en collaboration avec le ministère de l'Environnement, ministère des Mines, nous allons voir comment nous allons exploiter les mines. Je n'ai pas dit fermeture des mines, non. Je dis camper provisoirement pour développer un mécanisme ensemble à l'État comment exploiter les mines. Exploitation anarchique là pas bon. Et nous allons même aller dans un côté du nom qui vient un pylône électrique qui a exploité un bon matin quand on presque en fait noir après un pile bagage. C'est dans ça PM Navine là avec nous. Et pour l'accompagner non, dans des matchs, il y a un ministre de l'Environnement là qui va le dire deux trois mots pour nous comprendre la réalité bagaille. Ça nous a fait là, Jean ministre des Travaux publics là sur Dili.
eh bien, les besoins faits selon les normes, selon la loi. Donc, nous demandons pour que nous campions en attendant que nous chita avec un exploitant pour garder les meilleures conditions avec eux pour l'exploitation qu'ils sont capables de faire. Mais la façon que ils ont fait là, ils mettaient non seulement vie moun kap exploité en danger, mais également yo et mettait en danger toute route là et l'autre investissement qui gagne la zone là et écologie également. Donc c'est pour ça que nous venons et pour nous dire non, bah ça yo pas cap continuer la façon anarchique que la fête là et pour nous trouver les meilleures façons pour le fête. Et moi passer la parole à PM qui est capable de gagner quelque chose à dire. Déplacement nous là je dis à les rentrer dans le cadre restaurer l'autorité de l'État. Nous camper exploitation minza. J'entends là, on sort pas là avec moun qui responsable là, il dit qui moun qui met li. Mais nous camper les n'a camper toute le pied en attendant que tout le monde rentre dans l'or. C'est vous nous garder là n'a pour ministère public là, n'a pour ministre environnement, n'a pour directeur général bureau des mines. Directeur général ministre de l'environnement, tout, c'est toute autorité qui est là. À partir de côté de parler là, c'est fini. Pas de mine qui a exploité jusqu'à ce que nous régularisions la situation. Nous très contents oui, que mine a exploité. Parce que nous plein l'autre mine dans le pays, nous supposons exploiter. Mais il faut exploiter dans le cadre de la loi. Et au nom du président de la République, je prends disposition pour camper toute mine. Et je passe instruction tout à ministre de l'environnement, ministre de la public là. Pour démolir toute infrastructure que c'est là qu'on est, et pour nous réorganiser ça parce que nous bien contents que avec soit elle, nous bien contents tout que en pile chauffeur, en pile monde vient travailler. Mais tout faut que nous fassions dans le cadre de la loi, nous pas qu'à casser rien la nature et trop des autres déjà dans le pays, nous obligés mettre un petit l'ordre. C'est pour ça, c'est pour sa présence nous là aujourd'hui. Nous continuons à négocier. Et avec mon yo, parce que c'est pas, nous pas besoin d'arrêter personne là, mais nous venons placer tout agent environnemental pour continuer de travailler, faire job yo, toujours dans les limites de la loi. Dès demain, il y a bien une lettre d'invitation pour nous chita parler ensemble. Nous n'avons pas autorisé personne monde pour masser corps pour l'État. Son seule institution qu'il a pour prendre corps pour l'État, c'est DGI. Et nous allons voir comment nous allons réunir ensemble à DGI. Ensemble, avec Rizonio, pour nous voir comment licence cérébrale là, comment il a payé et comment il a exploité maintenant DG, d'après son petit parole. Un signal clair que le gouvernement voyait bah, tout exploitant. Et je veux dire, nous commencer par Mon Akabri. Parce que ce n'est pas seulement Mon Akabri qui a exploité carrière de manière anarchique. C'est tout côté d'un pays. Donc nous commençons par Mon Akabri et puis nous apprenons au fur et à mesure toute l'autre zone qui a exploité. Parce que il y a une loi qui existait. Qui dit là, qui condition pour mon exploiter ressources minérales, sur richesse que les pour payer. Nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Il faut que nous restaurions l'autorité de l'État. Il faut que la loi applique. Et la loi dit que pour exploiter une carrière, il faut avoir un permis d'exploitation. Maintenant, c'est permis d'exploitation qui a autorisé au fait. Il y a des lois de finances qui dit que il y a des redevances pour payer. Nous faut payer autour. Il faut que nous réhabilitons l'environnement. Donc, nous commençons aujourd'hui. Nous allons inviter tout exploitant à venir pour un permis. Dans le bureau des mines, nous allons analyser, il y a des carrières qui sont fermées, il y a des carrières qui sont autorisées, et ça qui ferme, il y a fermé définitivement. Et ça qui est autorisé, eh bien, il y a autorisé suivant la loi, suivant le respect de l'environnement. Et moi déclarer que là, fermé. Il est fermé jusqu'à ce que l'autorité baille l'autre pour nous. D'accord? Vous êtes. Ok? En tout cas, je compte avec vous. Parce que je pense que je vais pour nous souvent. Encore, même content de nous là, nous toujours jump, jack, t'es bien là, mais j'aime dire nous à la femme. Aujourd'hui, c'est fini. Okay. Les bandits, tout le monde qui est en train de travailler en bas, ça, on va attendre, on doit attendre 20-30 personnes mourir, et là, ça, c'est l'État responsable que vous. C'est-à-dire, nous prenons disposition aujourd'hui, et j'en vois tout agent là, nous venons faire même une. En attendant que tout le monde passe au travaux publics, passe au bureau de mine, ministère de l'Environnement. Et déjà, tout, la mairie, toute mairie dans la zone, il faut que nous mettions ensemble pour au moins nous continuer non seulement gérer le territoire pays,
mais tout gérer l'environnement, bah, un meilleur traitement à l'environnement pays. Mais à partir de côté, je parle avec vous là, tout le monde fermé. Jean-Royan sort fermé en bas et ça ferme le tout. Et on a placé l'argent là-dedans. Et quel que soit le monde qui est en contravention avec la loi, l'a juste joint avec la en face la loi, bien entendu. Le problème, c'est un problème qui a perdu. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à la situation. Ça, hein. Donc, pendant que nous sommes directeur corps de surveillance, là, tu as un problème comme ça dans NIP. Tu as monde qui t'a fouillé, qui t'a mouru. Donc nous avons fermé mine ça. Donc c'est dans la même optique ça que pour éviter ce genre de situation ça, que le gouvernement a décidé de fermer toute mine ça au côté qu'il a fait et exploitation abusive. Yo. Donc si nous gardons nous ça, n'importe qui a mouru n'importe jour là, parce que son moment ça, ça s'il pas de football, pas de base avec n'importe quel qui a tombé. Donc on a pris des dispositions sévères contre tout le monde qui a pu essayer et continuer avec l'exploitation de mines. Parce que l'environnement est tellement fragilisé en Haïti, nous pas capable de continuer dans n'importe comment à puis fragiliser. Ensuite, nous avons une question d'infrastructure. Nous avons gardé tout. Gardé des domaines là, nous avons prouvé comment une exploitation qui commençait à faire. Et vous venez là encore, où est qui j'en l'ai fait. Donc c'est des bails qui mettaient en danger ni infrastructure, ni monde, ni environnement. Et à ce moment-là, nous-mêmes n'avons pas encouragé la création d'emplois, mais n'a encouragé selon les règles de l'art, selon des règles qui permettaient en péril ni monde, ni la vie monde, ni infrastructure, ni environnement. Donc c'est la raison pour laquelle nous là, on dit non à cette pratique. Nous croyons que nous sommes capables de faire de l'autre façon. Et c'est cette façon nous pourrons le chercher avec qui de droit pour que nous sommes capables de dire voilà les normes. Vous voyez, ou capable de marcher avec nos normes, donc activité vous capable de faire. Sans les normes, si vous n'êtes pas capable de respecter, vous n'êtes pas capable de faire non plus. C'est comme ça qu'on veut y marcher. Toutes mines fermées. Toutes mines, toutes choses nous visiter là et fermées. En attendant que monde qui est responsable joigne avec autorité. Y compris ça ne va visiter. Même ça ne va visiter. Parce que nous gagnons l'argent là, on a quitté sous place, c'est fini. Parce que l'exploitation fait très très mal. Très très mal. Et il y a des problèmes environnementaux, il y a des problèmes de vie humaine. Tout. Mon cas mourir au bon matin, on tente de nos grands dépêcher esclavatrices pour nous retirer mon abattoir. Et notamment tout l'État, tout c'est lui-même qui contrôle lui, il n'y a pas aucun contrôle des mineurs. Bon, voilà. Nous visiter tout site ça, c'est pour nous capables à genoux. Et pour décision, il n'y a pas prendre lait. Et nous communiqué conjoint pour le sortir pour annoncer décision ça. Premier ministre là, il prend là, il parlait de lui. Et nous-mêmes, comme institution de l'État qui est responsable de bail autorisation, de non-objection, et bien à ce moment-là, il faut que l'exploitant vienne rencontrer nous pour nous bailler les lignes à suivre. Vous voyez, ça capable de fermer la ferme net, ça doit ouvrir, réouvrir la rivo, mais selon les conditions qui définissent. Bon, pour personne, nous ne pas prétexter ignorance, nous avons communiqué conjoint, nous avons fait sortir pour que bah, la vie publique, tout le monde informé, et à partir de ce moment-là, pour que soient capables de venir chez nous. Nous avons des agents pour PM Nandi qui prennent disponible sous site. Et ensuite, nous-mêmes, nous avons ouvert à discuter à tout entrepreneur qui est intéressé par l'exploitation. Quel là tout nous avons un pelle pour nous passer mato, nous trouver mato. Et permis pour nous exploiter. Oui, permis. Nous avons un copie permis. Non, mais copie pas non, et non mine et fondiable. Mais c'est élite. Oui, bon mine plus haut, mais il campé. Mais qui est-ce qui m'a permis ça? Permis pas, mais c'est là où ça. Non, mais moi pas moi qui mettre. Mais permis pour la pièce qui m'a dit. Nous, le ministère des mines devait faire
constate et refonce des bagages, mais il n'y a pas de commettre tout bas illégal. Nous ne pouvons pas finir. Mais c'est dans une vie, non, il dit non, c'est non même qui défait le bagage. On va PM, non. Bah, pour nous, en bas. Est-ce que vous permis, non? Non, permis, on ne pas non, non. Permis, toujours. Et là, quand même, les permis, non, ouvrir. Et au final, organiser tout le bagage. Est-ce que vous permis légal, parce que le permis, on va absolu. Ou autoriser exploiter. Pas que au moins 3 mois pour te respirer, mais nous pas dans mine. Depuis qu'il a eu permis ça. Environ 3 ans. 4 ans. En tout cas, nous allons quitter le PM dans place Moli. Toute mine fermée dans la zone. Pas fermée totalement. Mais en attendant, ils ont régularisé. D'accord, ils ont prêt à aller prendre contact avec. Puis c'est des mines, mais c'est environnement là, toi avec moi. Oui. Et puis il y a un permis, yo, oui. Et puis il y a une souterraine avec eux, il y a un mécanisme comment pour exploiter mine pour ne pas créer un pile danger, un pile vie humaine pas disparaître. Donc, bon oui, PM, on va parler là, on ne va pas prendre une seconde PM là déjà. Et en face, oui. Très bien, ça. Bon, et nous avons dit que mine est fermé. Oui. Jusqu'à ce que nous jeunes avec autorité. Qui l'a autorisé et supervisé l'exploitation mine. Oui. Moi, je souhaitais que nous fassions ça le plus vite possible. Parce que ce n'est pas possible pour nous continuer à mettre non seulement la vie en danger, oui. Comme ça, ça veut dire la vie mon cap travail dans mine et la vie population en tout. Parce que toute agression qu'il y a fait là, c'est la nature qui a agressé. Et mon reste de manière très anarchique n'a fait. Regardez ça qui a passé là. Vous souhaitez nous faire un coup de caméra là, très nous souhaitons nous faire un travail pour journée, mais à partir de demain, c'est fini. D'accord? Parce que nous n'avons pas fait camion, nous allons aller parce que nous là déjà. Oui. Ok? Et c'est, nous avons un emploi tout. Donc, nous avons travail. Oui. Mais nous souhaitons, demain matin, nous pas jouer un camion ni un tracteur qui travaille sur nous. De gens qui exploité de manière anarchique, Mignola, ils ont mis l'infrastructure EDHO en danger. Il y a des pylônes et des fils électriques qui passaient là. C'est 115 000 vols qui sont là. Ça veut dire 1000 fois plus que les courants nous joignent la caille noire. Et les apes exploités, comme ça, ils ont fragilisé la base pylône. Et l'homme est un pylône, bon espace entre, pour quitter libre, pour pas aucune intervention faite, qui est environ 20 mètres chaque bord. Pilote, non, mes amis, lis-le pour que Rex aille respecter. Nous remercions VM, nous remercions le ministre du gouvernement pour cette décision. Moi-même, je viens là pour me plaider pour le protéger, pour le corridor sécurité autour d'infrastructures importantes que DH Gang passe là. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son babes ap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.